Et salut les amis, c'est Prime Furious, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Roblox Adopt Me, mais en mode pauvre comme d'habitude. Donc on recommence avec notre petit personnage, et vous avez vu que j'ai quand même un petit peu monté mes pains d'épices et aussi mes bugs. Puisque voilà, j'en ai profité, bon là je me suis mis en adulte, je sais pas pourquoi, j'en ai profité quand j'étais bébé pour faire tous mes trucs, hein, voilà. J'en ai profité aussi pour entrer dans des familles. Et ça m'a permis de monter aussi mes bugs, puisque voilà, je me suis occupé des pets des autres, donc ça c'était ultra pratique. Et du coup, ben aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de s'occuper un petit peu pour aller voir si on peut avoir un légendaire. Donc déjà le premier légendaire que je pense acheter, ça sera pas forcément le hall, puisque j'ai pas les moyens pour le moment. Parce que je vous rappelle que je n'utilise pas de Robux et donc je suis pauvre. Je vais acheter donc des Cracked Eggs. Et ces Cracked Eggs vont me permettre probablement ou pas d'avoir les pets que je veux. Voilà, bon moi je me permets en même temps de ramasser des pains d'épices, puisqu'il faut le faire régulièrement. Dès que c'est disponible, faut bien rester dehors comme je vous l'ai dit, pour que les épreuves, ben, ils vous les proposent, de manière à pouvoir les enchaîner et ramasser un maximum de pains d'épices pour pouvoir avoir le plus vite possible le pet que vous voulez. Alors moi je vous ai conseillé un hall les amis, hein. Le hall c'est l'idéal, tout simplement parce que c'est un pet légendaire. Et donc du coup c'est un pet qui va prendre la valeur, parce que déjà il va disparaître du jeu contrairement à la licorne. Mais en plus de ça, bon ben voilà, ça va être un pet qui va certainement coûter très cher. Donc après on essaiera de le trad, on essaiera d'avoir quelque chose de vraiment bien. Mais en attendant, bon vu que j'ai pas trop de moyens, ben on va se contenter de Cracked Eggs. Voilà, ben c'est un peu la dépense du pauvre, mais quand on n'a pas de sous on achète ça. Pourquoi? Parce que vaut mieux peut-être acheter plein de petits œufs que chercher, bon il y a quand même une chance pour avoir un légendaire qui est extrêmement faible, hein. Voilà. Si j'achète un Royal Egg, j'ai peut-être plus de chances d'en avoir un, mais je suis même pas sûr en fait. Voilà, donc là, je vais acheter, ben, je vais acheter que des Cracked Eggs en fait, hein. Voilà, je tente mon premier légendaire les amis. On va essayer, bon, il s'appelle œuf fissuré du coup sur ce jeu-là, parce que, ben, du coup, forcément, je n'ai pas encore mis, il est pas en anglais le jeu, donc du coup, j'ai le truc qui s'appelle œuf fissuré. Donc on va manger tranquillement, voilà, hein, ça c'est pratique, puisque du coup il me demande régulièrement de manger et de boire. Et ça m'aide parce que bah, du coup je me gagne des bugs en faisant pas grand chose. Regardez, voilà, encore 6 bugs, tranquille. Donc là on va attendre que mon œuf me demande des trucs. Ce qui est bien c'est que je peux faire les épreuves en attendant. Donc du coup je continue à monter mes pains d'épices. À partir du moment où j'en aurai 10 000 et je m'achèterai mon snowhall, là je commencerai à être bien. Mais bon, voilà, quand on n'a pas trop de moyens, on fait avec les moyens qu'on a. Et les moyens que j'ai, c'est les moyens d'un Cracked Egg, donc on achète des Cracked Eggs. Donc on va attendre, on va monter tous ces œufs tranquillement et après on va se retrouver, on va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Alors du coup j'en ai profité pour aller faire des courses, puisque je n'ai pas grand chose en boisson dans mon sac. Donc on va acheter celle-là. Bon, c'est équivalent finalement à la boisson qui a 1$, hein, que vous pouvez acheter par les limonades. Bon, si vous trouvez un collègue qui a un stand de limonade, vous lui achetez des limonades à 1$. Alors ce qu'il y a, c'est que comme maintenant c'est limité, vous allez pouvoir en acheter qu'une seule. Bon, quoi, 3. Après, il va falloir attendre, hein, ça va pas être pratique. Voilà, combien j'en ai acheté là? Je veux juste voir combien j'ai de boissons. Moi, j'en ai pas mal. Maintenant, je vais acheter des pommes. Bon, les pommes, c'est les moins chères. Ça sert à rien d'acheter autre chose de toute façon, parce que je vais les payer plus cher. Vous allez me dire, oui, mais il y a des pommes gratuites dans l'école. Je peux faire ça aussi. Mais franchement, pour le coup, à coût de 1$ la pomme, c'est bon. On va pas mourir pour ça, hein. Voilà. Donc là, il fait nuit. Alors, un petit conseil que je peux vous donner. Bon, là, par contre, vous voyez, j'ai fait peut-être une erreur parce que je suis dans un bâtiment. Et donc, peut-être que potentiellement, il va pas me proposer l'épreuve. Bon, vu que je suis dehors, ben, je vais aller au camping plutôt pour faire dormir mon œuf qu'autre part. Parce que si je vais dans l'école, par exemple, ben, il risque de pas me proposer l'épreuve suivante et je risque de perdre des petits pains d'épices. Voilà. Oh, un petit 20$, ben, ça fait plaisir, ça. On va aller faire un petit somme. Voilà, coucou. On va faire dormir notre petit Cracked Egg. Je vais dormir là, moi, de mon côté, je ferme la tente et tout. Voilà, petit somme. Et ça y est, la nuit est terminée, donc là, ben, j'ai encore le temps, hein. Il n'est pas encore ouvert. Alors, il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 5 épreuves pour pouvoir ouvrir cet œuf. Bon, je pense qu'on va se retrouver quand je serai à la limite de l'ouvrir, ça ira plus vite, parce que je pense que j'en ai pour un moment, là. Et ça y est, les amis, c'est le moment de vérité, donc on va mettre notre œuf et on va se coucher, hein. On va dormir, on verra bien au réveil. Alors il me dit que les peines épices sont réapparues. Bon, heureusement j'étais resté dehors. Vous imaginez, si j'étais rentré dans l'école, ben, j'aurais raté encore. Bon là ça change rien parce que les peines épices réapparaissent. Mais c'est surtout au niveau du Frost Fury, pour le nourrir etc, vous ratez l'event. Alors j'ai eu quoi?
Super, j'ai eu un buffalo. Bon, ben ça commence bien. Voilà, mon premier pet avec un cracket egg. Bon, ben on va en ouvrir un deuxième maintenant. Ouais, ben il me demande de prendre la douche. On va en ouvrir un deuxième. Alors, je vais faire pareil. Je vais attendre d'être au max. Et je vous reprends juste après. J'ai de la chance, les amis. Mon pet a faim. Donc, on va lui donner une petite pomme. Voilà, on va lui donner une pomme. Parce que je suis allé dans l'école. Du coup, j'en ai ramassé un stock. Voilà, parce que je vous ai dit que c'était gratuit. Tout à l'heure, j'avais la flemme d'y aller. Voilà, donc il va s'ouvrir. Alors, espérons que ce soit un légendaire. Parce que là, j'en ai pas. Moi, je suis pauvre. Une loutre. Ben, non, merci. J'ai l'impression de faire des trades là. Voilà, donc un autre fissuré. Ben, c'est reparti. Il va falloir que je recommence. Bon, ben, on va attendre. Pareil, qu'il me demande les trucs. Je me demande vraiment si, dans toutes les dépenses que je viens de faire, je vais finalement avoir un légendaire ou pas. On verra bien. Et voilà, donc regardez un petit peu, là mon œuf il a faim et ensuite j'ai la douche à lui faire faire. Donc on va tester la légende de la douche. J'espère que je vais avoir une licorne quand même, ça serait dommage que je démarre pas avec une belle petite licorne avec ses cracket eggs. Bon, faut avoir de la chance aussi, hein. Alors qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas une licorne, c'était un chien, ça m'en fait deux, c'est trop bien. Bon ben du coup voilà, on va tester le troisième cracket egg. On va bien finir par avoir quelque chose de bien. Alors vous le savez les amis, c'est toujours pareil, c'est soit il vous demande rien, soit il vous demande deux trucs d'affilée. Voilà, là il vient de me demander de manger et en même temps de dormir. Ben vous savez quoi, ben, je vais le faire dormir. Voilà, allez va dormir l'œuf. Voilà, je fais un choix, ça sera peut-être le mauvais mais on verra bien. Allez c'est parti. Bon j'espère vraiment que cette fois je vais avoir un légendaire hein, parce que j'en ai pas depuis tout à l'heure. Après les affaires vont pouvoir être intéressantes une fois que j'aurai mon premier légendaire. Là je vais commencer à être bien. Mais au moins un seul, c'est le départ, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Un buffalo, trop bien. Alors il me reste mon dernier œuf. Bon, on va tout mettre sur ce cracket egg, hein. Tout dépend de lui, c'est lui l'heureux élu, c'est lui qui va me donner un légendaire, une licorne, un dragon, un dracorn, ce qu'il veut. Moi je veux un pet légendaire, j'en ai pas, je suis en galère. Bon, j'espère quand même que ce sera une licorne, parce que si c'est un dragon, ça va être compliqué de le trad. Mais c'est pas grave, on essaiera quand même. Bon, mais on va patienter. Maintenant, on va faire la même chose. On va attendre et on va refaire encore les épreuves. Donc, vous avez vu que j'ai pas tellement monté mes friandises depuis tout à l'heure parce que, l'air de rien, ben, le fait de faire des allers-retours à la maison et tout, ben, à chaque fois, je dois rater les événements. Ben voilà. Bon, mais on va attendre, les amis. Allez, on se retrouve tout de suite. Et voilà, les amis, nous arrivons à la dernière ligne droite sur le dernier œuf. Alors, j'espère vraiment que celui-là va me porter chance. Allez, on va tenter. Alors, vous voyez quand même, je suis presque à 7000. Hein, ça monte quand même assez vite. J'espère quand même que si j'arrive à monter à 10000, je vais pouvoir m'acheter mon snowball. Et derrière ça, je vais pouvoir surtout le trad pour obtenir un pet avec un fly ride. Puisque c'est ça qui va être le plus compliqué. Mais je suis confiant quand même. Donc déjà, on va voir si on arrive à avoir un petit légendaire là-dedans. Ça serait pas mal. Allez, petit légendaire, je compte sur toi, vas-y. Hop, c'est quoi? Non, c'est pas un légendaire. Je sens que c'est une loutre. Super! Bon, ben voilà, hein, ça n'a pas été très fructueux. Voilà, je me retrouve avec des pets ordinaires, bien entendu. Hein. Donc, je n'ai pas encore de pets légendaires. Mais je vais quand même essayer de voir la prochaine fois, probablement, si j'arrive à trader ces pets et obtenir quelque chose de bien. Pourquoi pas? Allez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une bonne idée ou pas d'essayer de trader ces pets pour essayer d'obtenir un légendaire. Peut-être que ça sera faisable. On va tenter l'opération. En attendant, je vais continuer à monter mes pains d'épices pour essayer d'avoir au moins le snowball. Bon, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao!